Maintenant, le champion, c'est un champion pour faire. C'est vraiment une légende de football. On a écouté ce qui a été dit sur le bonheur. Et bien, les mots me manquent. Moi, je le savais, je le connaissais, puisque à l'époque, malgré les talents qu'on avait, on ne pouvait pas s'expatrier. Et il y avait un blocage. Ce qui fait que ben, pour s'expatrier, pour aller monnayer les talents à l'extérieur, c'est la porte de la mer. Et c'est ça qui a posé un problème et pas le football pose pas de problème. C'est-à-dire, il y a un proverbe, un adage qui dit chez nous que et quand vous avez des athlètes à l'extérieur qui font des exploits, ça fait des émules ici. Alors, sur la personnalité sportive de Tommy, beaucoup de choses ont été dites, je ne sais pas ajouter, sinon qu'on est bien en admiration devant l'athlète pour ses qualités, sa détente, sa vista, ses prestations. Et puis, c'était tout. C'était Tommy, c'était Tommy. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce match? Ben oui, ce qui m'a le plus marqué, c'est le match. D'accord. Notre grand frère, Messa Niamé, qui en a parlé, beaucoup de personnes en ont parlé. Et puis quand ils étaient au Cameroun, l'exploit. Mais ce que je regrette quand même, c'est que des sportifs, des grands noms de sportifs, ne sont pas connus. Dans mon quartier, lorsque j'ai reçu l'invitation par mon ami Horacio Freitas, j'en avais parlé dans le monde, dans le milieu footballistique, à des amis, des gens qui ne connaissent pas. C'est dommage. C'est dommage parce que des gens comme Tommy, ou bien d'autres, méritent mieux que ça, qu'ils ne soient pas dans des oubliettes. Des propositions ont été faites tout à l'heure. J'en ai parlé avant, en tant que ministre. Et moi, je vais ajouter à une autre chose. Pourquoi nous, les sportifs de haut niveau, nous avons consacré notre temps et notre savoir-faire et puis notre parcours aussi pour être brillants pour la nation, pour la représentation de la nation, mais à la fin de notre carrière, je ne parle pas que on ne donne pas d'argent, qu'on n'a pas d'amélioration, mais faites-nous au moins l'honneur de mettre nos noms sur des fois, sur, ou bien le nôtre, sur les rues. Par exemple, qu'est-ce que ça nous coûterait d'avoir une rue Tommy Sylvestre? Qu'est-ce que ça nous coûterait d'avoir une rue Kaolo? Qu'est-ce que ça nous coûterait d'avoir une rue Apollo? On va pérenniser la chose pour que les jeunes comme vous voyez, rue Tommy Sylvestre soient obligés. Voilà des propositions qui sont simples. On ne demande pas de l'argent, on ne demande pas. Le mal est déjà fait, mais je crois que chacun gère sa vie. Mais voilà des trucs simples qu'on pourrait faire. Et qui peuvent servir aussi à la nouvelle, à la génération qui a une succession. Parce que quand vous bafouillez les aînés, eh bien, allez demander aux jeunes maintenant de s'investir. Et voilà le mal. Le nom, c'est Kopoya Cosmas Akwete, un basketteur de son état, professionnel de basketball en France, retraité, et je suis revenu au pays, et mon surnom de guerrier de basketteur, Apollo. Je vous remercie.